Maintenant, Marie-Hélène Thibert, parlons des bonnes nouvelles. Ça va très, très bien pour elle, vous savez. Son album est maintenant triple platine, c'est-à-dire 300 000 copies vendues. Au Junos, elle a remporté l'album pour meilleur album francophone. Elle a remporté un prix. Et aussi, on vient d'apprendre, billet d'or. 50 000 billets vendus pour son spectacle, le premier spectacle solo. D'ailleurs, c'est ce qui l'a poussé à faire une quatrième série de supplémentaires. C'était au Théâtre Saint-Denis. Ça a commencé vendredi. Je l'ai rencontré juste avant sa montée sur scène. Ce soir, je suis extrêmement contente que vous soyez ici. Ce soir, c'est le 75e spectacle de ma première tournée solo. Marie-Hélène, si Céline Dion est associée au Caesar Palace, toi, on peut dire que t'es associée au Théâtre Saint-Denis? Oui, ça se peut bien, oui. Avec la quatrième série supplémentaire, là, ouais. Ça fait combien de fois que tu le fais, Théâtre Saint-Denis? Oh, gage, ben là... J'ai calculé. Oui? OK. 14 fois. 14 fois, le Saint-Denis. C'est le fun, c'est vraiment le fun. C'est unique, tu sais. Je savais pas, je sais pas. C'est quelque chose. Tu vas te sentir chez toi quand tu viens faire un spectacle ici. Oui, oui, ça fait du bien. C'est sûr que moi, j'aime ça, voyager, puis aller dans d'autres villes que je connais pas encore, puis de visiter, mais ça fait du bien quand même de se retrouver à Montréal. Là. Quand j'arrive sur scène, je suis vraiment dans ce que j'aime, dans mon élément. Tout le show, du début à la fin, moi, c'est ça que j'aime. Puis j'aime ça parce que les musiciens, ils jouent avec moi sur scène. Ils sont là, ils sont présents avec moi, puis ça paraît qu'ils se font du fun. Puis il y a aussi le fait que ben, on va manger ensemble, on se connaît, on trippe ensemble. Tu as gagné plein de prix, là, des Junos, la disque, il y en a plein qui me passent par l'esprit. Je ne suis pas capable de toutes les nommer. Y a-tu un prix que tu n'as pas gagné, mais que tu aimerais gagner? Oh! Ben, moi, dans le fond, là, le prix que j'ai le plus apprécié, que j'ai le plus aimé, qui m'a le plus touché, c'est l'interprète féminine de l'année. Parce que c'est le public qui décide. Marie-Hélène Thibert! Sur le Fan Choice Award, oui. Des Juno, c'est sûr que ça m'aurait intéressé. Qu'est-ce qui se passe pour toi cet été? Ben, j'ai pensé peut-être aller 2 semaines en vacances, aller me faire bronzer. Parce que je connais plus ça, le soleil. Ça, c'est du spray tan, là, qu'est-ce okay. que vous voyez là, là. C'est pas réel. On en veut du vrai soleil. Ouais, ouais, qui éclate dans le visage, là, puis qui fait du bien, là. Ça me manque.